Ce mercredi 1er février, CEST quelques heures après avoir été taclé par Britney Spears, Qualissa Milano a pris son courage à deux mains pour présenter ses excuses à la chanteuse. La prochaine fois, il est certain qu'Alyssa Milano réfléchira à deux fois avant de mentionner Britney Spears dans l'une de ses publications. Le 20 décembre dernier, l'interprète de Phoebe dans Charmed s'est rendue sur Twitter pour faire part de son inquiétude au sujet de la chanteuse. Quelqu'un peut vérifier comment va Britney Spears? A-t-elle déclaré. Un message qui, de prime abord, paraît bienveillant, mais ce n'est malheureusement pas de cette façon que Britney Spears l'a perçu. CEST d'ailleurs sur Instagram que cette dernière a tenu à répondre à l'actrice, ce mercredi 1er février. Cela m'attriste de voir des choses sur moi venant de la part de personnes qui ne me connaissent pas. Cela ressemble définitivement à du harcèlement. Les filles, nous sommes censées se soutenir les unes les autres, pas se tirer vers le bas, a écrit l'ex-compagne de Justin Timberlake en story. De quoi faire réagir Alyssa Milano qui, d'après les informations de TMZ, a tenu à s'entretenir avec la chanteuse. Alyssa Milano a contacté Britney Spears. Si son intention n'était pas mauvaise, Alyssa Milano semble avoir compris la récente déclaration de Britney Spears. Pour cette raison, elle a décidé de faire un premier pas vers elle en lui présentant ses excuses. D'après nos confrères, l'actrice lui aurait envoyé un message en privé, et en a profité pour lui faire part de son soutien. Pour l'heure, rien n'indique si l'épouse de Sam Asghari a réagi à ce mea culpa, mais une chose est sûre, il permettra sûrement d'apaiser les tensions.